Bienvenue à Avignon pour un épisode de vlog spécial vacances. Clickbait, cet épisode est intégralement tourné à l'iPhone X. Coucou. Alors, on est aujourd'hui le 22 et on est sur la route des vacances. Des vacances, c'est-à-dire qu'on part là dans le Luberon, s'arrêter du côté de Bourg-en-Bresse, histoire de pas conduire comme un fou pendant 7-8 heures. Et voilà, et résultat, c'est le matin, et comme tous les matins, dès que j'en ai la possibilité, qu'est-ce que je fais? Je vais foncer au sport, et il se trouve qu'ici, il y a une salle de sport, donc c'est plutôt cool. C'est toujours un peu la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on va démarrer par un quart d'heure d'elliptique. Quart d'heure d'elliptique qui va permettre en fait de s'échauffer, de faire quelque chose qui est très très cool. Là on tourne à environ 140 pulsations, 140, 150 si vraiment on va très très loin. Et j'ai déjà monté une fois à 170 juste comme ça pour rigoler. Un gros pas, je crois que j'allais mourir. Je suis pas un gros fumeur mais je fume un peu quand même, genre quelques cigarettes par jour, 4-5. 3-4, je sais pas. En plus en ce moment je suis un peu bronchitique. Bref, voilà. Là ce qui est surtout cool c'est que je vais pouvoir enfin tester parce que cette salle est quand même hyper bien équipée. Bien que je déteste ce type de rameur elliptique là, je trouve que c'est. Enfin bref. Salle hyper bien équipée et donc je vais pouvoir tester un peu le rameur que tout le monde dit que c'est le top du top du top du rameur. Ça vaut juste 5 fois. Mais j'ai payé 300, ça vaut 1005. Bref, j'ai payé 300, ça vaut 1005. Le rameur que je me suis offert qui vient juste derrière. Le fameux Concept 2. Pour tester ce rameur. Voir s'il vaut ses 1500€. Il y a plein de jeux sympas hein, le rameur, il y a plein de trucs. Honnêtement, même s'il est beaucoup plus souple et tout, c'est sûr que franchement on roule sur autre chose, hein. Le siège, c'est complètement autre chose. Bon, j'ai envie de dire quand même que le mien il est bien. Et surtout le jeu là du poisson où faut faire monter son poisson pour éviter de se faire bouffer par d'autres poissons. Et où il faut en gros, c'est une connerie pour faire du fractionné en fait. Et le fractionné, je... Non. Moi, à la maison, je fais un quart d'heure d'elliptique, ça m'échauffe, machin. Je me mets bien. Après, je fais un quart d'heure de rameur, 17 minutes, en fait, parce que j'essaye de toujours faire 5 km en 17 minutes. Mon pote Franck m'a expliqué que c'est ça, ce qu'il faut viser, en fait, en rameur. Donc, je fais tous les matins mes 5 km en 17 minutes. Les conneries de fractionné, là, pour plus tard, hein. Pour l'instant, j'y suis pas encore. Allez, encore un petit coup de flotte. Là, j'ai fini tranquillement mes 30 minutes ce matin. Résultat, je vais pouvoir aller réveiller Marie. Parce que j'ai oublié la clé de la chambre. Prendre une douche, petit déj. Voiture, direction Molens-sur-Ouvèze. Du côté de Vaison-la-Romaine, par là-bas. Magnifique, un coin top. On a trouvé un petit Airbnb qui a l'air paumé au milieu de nulle part. On va pouvoir passer une semaine de repos pendant les vacances de Noël. Parce que les vacances de Noël, c'est génial. Mais c'est des vacances.
génial ici, c'est qu'en fait, on n'est pas... Il n'y a pas foule, quoi. Déjà, il n'y a pas grand monde à cette heure-là, 9h15. Vu que ça doit être à peu près que des voyageurs de travail, je pense que les gens sont partis depuis longtemps. Et voilà, donc nous, on est là, on est fainéants, comme ça, tranquille, dans notre petite salle de petit-déj. C'est un méga petit-déj. Les buffets de petit-déj à l'hôtel, ça, c'est un truc qui a énormément changé, parce que genre avant, moi, je te démontais un petit-déj de buffet, voilà, j'y allais à fond, trois assiettes, des trucs énormes et tout, et maintenant, bon, bah, forcément, il y a une forme de frustration, parce que dès qu'il y a un truc qui est à volonté, dans l'absolu, bah, ça devient un petit peu compliqué, puisque, bah, forcément, je peux plus le manger autant que j'en ai envie, quoi. Mais c'est pas grave, je mange un petit peu, je picore. Maintenant, c'est génial, quand je suis aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui, je suis avec Marie, bah voilà, on se fait des petites assiettes pour deux, et puis on picore chacun, machin, c'est super. Le plaisir, il est quand même toujours là, quoi, de manger des œufs, de manger du bacon, du jambon, du fromage, du pain, toutes ces petites choses. Mais alors, par contre, c'est vrai que le rapport, le prix au kilo du petit-déj, lui, a été multiplié par 10. Voilà, ça, c'est sûr. Dire forcément, si on parle de la famille, c'est marrant parce que là on est exactement, enfin on est à Noël en fait, et ça fait maintenant 5 ou 6 ans qu'on a cette habitude avec Marie de toujours partir à Noël, de prendre des vacances, de se tirer quelque part en France, de prendre une petite location quelque part et de passer une semaine très très cool où on marche, on visite, on joue à la console, on regarde des séries, etc., etc. Et c'est un petit peu étonnant parce qu'on pourrait se dire, mais quand même, Noël, c'est le moment de la famille et tout. Sauf que on adore notre famille. Je crois qu'on adore la famille l'un de l'autre. Mais à ce moment-là, où il y a beaucoup de pression, où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, eh ben, on n'a pas forcément envie de subir ça. Donc, résultat, on se tire. Voilà. Bon, ils sont au courant et ils le savent. C'est comme ça. Et puis, on va les voir un petit peu plus tard. C'est pas très, très grave, quoi. Mais finalement, ça fait partie d'une forme d'écologie personnelle qu'il est bon d'avoir et que nous cultivons. Voilà. Donc, même par rapport à sa famille, c'est dire que finalement, on est libre. C'est dire que finalement, on va réussir à se détacher, à faire ce qu'il faut, mais aussi à dire bah là, non. Là, non, non. Je crois qu'on va partir se reposer.
Bon, cet été, quand on était en Bretagne, je disais que j'aimerais bien qu'on commence à faire plus de promenades. Et que par rapport à ça, j'aimerais bien commencer à perdre du poids et tout. Bon, ben là, ça y est, cette fois, on y est vraiment. On a déjà fait 15 bornes l'autre jour. C'était cool. Et puis ben là, je sais pas, on va refaire un peu. Là, en fait, on est venu jusqu'à Cassis. Hein. Ça faisait quand même pas loin de 2 heures de route depuis là où on était. Mais on avait envie de voir un peu la mer, après tout. C'est-à-dire que pour des nordistes comme nous, finalement, 2 heures de route pour voir la mer, c'est peanuts. Et voilà. Et donc là, en fait, ben mine de rien, on est posé entre la calanque de Port-Mioux et la calanque de Vaux-à-l'eau, je sais pas quoi, là. On vient de manger les sandwichs les plus dégueux de la vie. Ils étaient bien dégueux, quand même, ouais. Les sandwichs. Ouais, ouais. Et voilà. Et c'est ça aussi, les vacances. Et on fait plein de kilomètres à pied. Oh, un monsieur qui passe derrière tout nu.